Nous sommes à une soixantaine de kilomètres de Limoges, à mi-chemin entre La Souterraine et Guéret, direction Bénévent-l'Abbaye, petite commune de 819 habitants. C'est le pays natal d'un certain Émile Labussière, né en 1853 et qui fut maire de Limoges à deux reprises, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Un illustre habitant, nous allons voir s'il y en a encore de nos jours, direction Bénévent-l'Abbaye. Quelqu'un ? Aujourd'hui ? Il arrive. Bonjour, monsieur. C'est la vraie caverne d'Ali Baba ici ? Oui, on essaye. Mais là, c'est une période un peu transitoire, quoi. Janvier, février, mars, c'est un peu sur rendez-vous. Et puis on renouvelle un peu le stock. On chine pièce par pièce, on adore nos objets. Quel est l'objet qui vous tient le plus à cœur, là ? La pyramide d'un Lop, là-bas. Parce qu'elle vient, d'un musée de l'automobile à Madrid. Et ça vient de Madrid, ça. Ouais. Et c'est des pièces franchement rares, quoi. Merci Bernard. Merci. La commune se trouve sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et il y a environ 1500 à 1800 pèlerins qui passent chaque année ici. Alors on nous a dit qu'il y avait deux gîtes, notamment celui-ci qui reçoit les pèlerins. Et c'est une Anglaise qui le tient. On va aller la rencontrer. Hop, on sonne. Bonjour, on ne vous dérange pas ? Non. Ah, c'est gentil. Donc c'est un gîte pour les pèlerins de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle ici ? Pour les pèlerins, pour les randonneurs, pour les cyclistes. Tu peux rentrer ? Oui. Ah, super, merci. Ah ouais, elle est bien. Ah, puis alors, vous avez une étagère pour les objets trouvés ? Oui, c'est original. On nous laisse toujours des choses, des bâtons, des baskets, des montres, des portables. Que les pèlerins oublient, non, en fait. Je les envoie, oui, voilà, mais voilà, pour les autres choses, je les laisse. Merci beaucoup, Claire. On va aller continuer notre balade. Alors, à Bénévent-l'Abbaye, il y a une abbaye, tant qu'à faire. La voici avec l'abbatiale magnifique derrière nous. Et puis, il y a des artisans d'art, paraît-il. On nous a dit qu'ils étaient là. On va les voir. Voilà, ici, c'est l'atelier art et artisanat. Et il y a quatre artisans et artistes. C'est quoi ça ? C'est du banco en fait, c'est un mélange d'argile et de crottin. Ah. Donc c'est vraiment une technique, oui, ça se sentira peut-être pas trop à l'image, mais... Ah, ça sent un peu quand même le crottin. Un petit peu quand même le crottin, oui. Et donc en fait, ça me sert de moule réfractaire sur lequel je vais enrober mes modèles positifs en cire. Par laquelle ensuite... Est-ce que vous fabriquez quoi en fait ? Des bijoux ? Alors je fais principalement de la bague et de la sculpture. Quelle belle devanture, avec le détail, la scie. Elle est grande, votre quincaillerie ? Oui, j'ai quand même beaucoup d'espace et beaucoup d'articles. Incroyable. Moi aussi, j'ai ma perche, Stéphane. C'est que en fait tout le monde fasse le petit effort de venir une à deux fois par an dans les petits magasins, que ce soit boucherie, que ce soit boulanger, que ce soit tout ce que vous voulez, pour qu'on continue à exister et surtout on amène de la vie dans un village. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, Christine. Au revoir. Voilà pour ce petit tour à Bénévent-l'Abbaye en Creuse. À bientôt pour de nouvelles aventures.